Salut Thierry, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, ça va, merci. Allez, on Voilà. attaque. On On parle de quoi attaque, aujourd'hui? voilà. Eh bien, écoute, un sujet qui passionne les foules, vu les retours que j'ai eus, qui est comment renégocier son salaire avec son entreprise. Ouais. Et ça, il faut juste traîner un petit peu sur Facebook pour voir que les gens sont pas contents, que beaucoup touchent pas le salaire qu'ils pensent, enfin, le Mérité. salaire, oui, voilà. Et vraiment, je pense que ça va leur servir. C'est super important de savoir comment négocier. La majorité des gens, soit ne négocient pas, ou soit ne Oui. savent pas comment négocier. D'accord. Ils se mettent l'employeur à dos. Alors, on va essayer de vraiment parler de ça. Alors, deux scénarios. Il y a deux scénarios hein, pour renégocier son salaire. Là, on ne parle pas de négociation salariale pendant le job interview, pendant l'entretien d'embauche. On parle vraiment de négociation salariale quand on est déjà en poste. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Malheureusement, très très peu de gens le font. Très peu de gens. Enfin, beaucoup de gens y pensent, et puis très peu de gens savent comment le faire, très peu de gens se lancent, etc., etc. Alors, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est vraiment le scénario où on n'est pas payé assez, on est Ouais. sous-payé par rapport au marché. D'accord? D'accord. Et je vais bien sûr expliquer comment on sait si on est sous-payé ou pas, etc., etc. D'accord? OK. Et puis le deuxième scénario, c'est si on est payé vraiment dans Les normes l'objectif du du marché. marché, ouais. Voilà, les normes du marché. Et dans ce cas-là, comment faire? Donc ça c'est la partie facile. C'est vraiment la partie sous-payée qui va être plus technique. Et on va passer un petit peu plus de temps. Alors, il y a 10 étapes pour augmenter son salaire quand on est sous-payé. Quand on réalise qu'on est sous-payé, bon, il y a Ouais. des étapes pour réaliser, et puis il y a les étapes pour les augmenter. Donc on va parler de ça. Alors, donc je vais aller point par point, et point par point, il faut vraiment les suivre chronologiquement, Thierry. D'accord. D'accord? Alors, numéro 1, don't talk about your life or about others. Ça, c'est vraiment, je l'ai voulu le mettre en premier parce que c'est vraiment ce que font la majorité des gens. La majorité des gens vont voir leur boss et ils se plaignent. Et ils se Ouais. plaignent, et ils pensent que c'est une négociation. Ouais, ça fait longtemps que je suis là. Ouais, je suis la personne qui bosse le plus longtemps. Juste hier, j'ai quitté le boulot à telle heure. Ouais, j'ai un master, etc., etc. Donc, ma femme, elle est enceinte. Ouais. Je travaille Félicitations. hyper tard, voilà. Il y a quelqu'un qui, enfin, il y a telle et telle personne qui bosse moins que moi, mais qui est payée plus que moi. J'ai un master, j'ai un doctorat, j'ai. Là, pendant que tu es en train de le faire, déjà, ça m'énerve. Exactement. Ça fait qu'énerver les gens. J'ai eu tellement d'employés qui m'ont fait ça. Le pire, c'était un gars qui s'appelait Mustapha. Il est français, et il est venu vers moi. Il m'a dit, j'arrive pas à croire que Jonathan, donc un Anglais qui travaille pour moi, Jonathan, il a un bachelor. Moi, j'ai un master. Ouais. Et il est payé plus que moi. Ma Oh. réponse. Ouais, mais il fait plus de placements, donc c'est une boîte de recrutement. Il fait plus de placements que toi. Mais j'ai un master, Hamza. Et ça, c'était un des trucs les plus stupides que j'ai reçus. Mais en gros, les gens ne savent pas négocier. En fait, ils irritent, ils énervent. Et bien sûr, ce Mustapha, D'accord. comme même s'il avait employé une de ses excuses, bah, il aurait juste réussi à m'énerver. C'est tout. D'accord. Il est hors de question que je dis, oh, mince, c'est vrai, t'as un master, j'ai même pas capté. Je suis vraiment désolé. Écoute, je vais revoir ça tout de suite. Jamais de toute la vie, personne ne ferait ça, quoi. Ouh, oui, c'est vrai, tu travailles très très tard. Écoute, je vais voir si je vais pas te payer un petit peu plus, hein. D'accord? Ouais. Ben non, en fait, hein. D'accord? Donc ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, il faut mériter l'augmentation. D'accord. Il faut mériter l'augmentation. OK. C'est pas parce que tu travailles tard. Mériter l'augmentation, ça veut dire que il faut pouvoir prouver qu'on apporte des résultats à l'employeur. On Oui. s'en fout. Tu peux travailler 23 heures sur 24. On s'en fout, en fait.
si tu travailles 23 heures sur 24 pour arriver à faire ce que quelqu'un ferait en 2 heures, c'est pas ça qui est important pour l'employeur, c'est vraiment si tu arrives à dépasser tes objectifs, si tu arrives à régler des problèmes de l'employeur. C'est une de mes vidéos que j'ai fait il y a pas longtemps où je dis l'une des meilleures façons d'être visible pour les gens qui ont le pouvoir de t'augmenter, de te faire augmenter ton salaire, de te donner plus de responsabilités, il faut être perçu comme un super élément. Et l'une des méthodes pour être visible, c'est d'essayer de trouver des problèmes que ton employeur a à résoudre, a à tacler. Et ça peut être un mauvais employé, par exemple, quelqu'un dans ton équipe ou quoi que ce soit, et puis aller vers l'employeur et lui dire, écoute, je sais que ça se passe pas forcément bien avec cette personne. Je voulais simplement te proposer que peut-être je lui serve de mentor. J'essaie de l'aider et pouvoir. Tu vois un peu, c'est la meilleure façon de après mériter l'augmentation. Oui, comme. Ouais, comme tu le dis souvent, en fait, être la solution, pas le problème. Exactement. Souvent, les gens s'arrêtent à « Ouais, je fais mon boulot. » Bah oui, mais je fais ton boulot, bah pourquoi tu devrais être payé plus que ce qui était prévu? Alors, si tu fais juste ton boulot, bah t'es payé juste le salaire que t'as signé, enfin le salaire qui est sur ton contrat. C'était un accord entre vous. Et ça, c'est vraiment super dangereux. Il faut essayer d'essayer de donner plus que ce qu'on paye. De se dire, je travaille pour la société. Je fais pas un job, je travaille pour une société. Je suis en mode client. D'accord, la société est mon client, je suis prestataire, j'essaie de vraiment améliorer la vie de cette société, mon employeur, etc. Donc vraiment, numéro 2, méritez votre augmentation. Ça sert à rien du tout de dire, ouais, non, je fais mon boulot, je demande rien à personne. Alors souvent, les gens qui vont, j'ai eu ça plusieurs fois, ils sont dans ils disent des choses négatives. Donc par exemple, ils disent, moi, je parle pas sur les autres. Je te montre à personne, je suis jamais en retard. Mmh. Et ils pensent que c'est des positifs. Ils pensent que c'est des choses positives pour la société. Alors que t'es jamais en retard, oui, c'est bien. C'est comme si je disais à un policier qui vient de me donner une amende, je grille jamais des feux rouges, je fais jamais d'excès de vitesse. Le policier va juste, enfin, il s'en fout quoi. Tu vois, ça c'est un piège aussi. Donc vraiment mériter l'augmentation. Ok. Numéro 3, c'est il faut absolument se documenter. C'est-à-dire, c'est facile hein, de dire « Ouais, je suis sous-payé. » Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ouais. Ouais, parce que mon pote, il est en RH, il m'a dit que je suis sous-payé parce que j'ai un pote, il fait exactement le même boulot que moi, il est deux fois plus sous-payé que moi parce que j'ai vu sur Facebook, il y a même des gens qui me disent que c'est sous-payé. Bah, c'est pas de la documentation, ça. C'est vraiment être un rigolo, un amateur, et c'est courir au désastre, en fait. Donc, se documenter, ça veut dire quoi? Il y a trois méthodes pour se documenter par rapport au niveau de son salaire. C'est numéro un, discuter avec les gens qui sont constamment en relation avec le marché. Constamment en relation. Et ça, c'est ma méthode préférée. Les chasseurs de tête, les boîtes de recrutement, les recruteurs sont constamment en train de discuter avec les employeurs et constamment en train de discuter avec les candidats. Donc, ils ont vraiment cette information en temps réel. C'est la source la plus proche qui existe. Okay. D'accord? Et bien sûr, il ne faut pas discuter avec un recruteur. Il faut croiser les informations, il faut trianguler, il faut essayer de discuter avec 4, 5, 10 recruteurs. Et surtout les recruteurs spécialisés. Si on travaille dans un domaine, par exemple le marketing ou le légal ou quoi que ce soit, essayez de se rapprocher de ces chasseurs de tête qui font que ça, parce qu'eux connaissent très 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 bien le marché. Je te donne un exemple, j'ai une boîte de recrutement dans l'émiratisation. Nous on pond les salaires très très facilement comme ça. Tu me donnes juste si c'est Abu Dhabi, Dubaï, le niveau d'expérience, etc. Et je te dirais boum. Et d'ailleurs, on est capable de challenger les employeurs, nos clients, quand ils nous disent voilà le salaire, on leur dit non, c'est pas assez, ça sert à rien, quoi. Vous trouverez pas. D'accord. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est Google. Si on tape juste, tu sais Thierry, si on tape salary survey, salary survey. Dubaï. Et on peut même taper 2016, 2017.
Salary Survey Dubai. Eh ben, on est capable d'avoir des boîtes de recrutement, justement, souvent, ou alors des agences d'information comme Mead ou des choses comme ça, qui vont avoir des études salariales ou même des fois des Golf News, journaux, des études salariales. Et dans ces études salariales, il y a plein de postes. Et ils vont te donner une fourchette suivant si tu es à Dubaï, le nombre d'années d'expérience, etc., etc. Et tu vas avoir une fourchette moyenne, un nombre moyen. D'accord? Okay. Ouais. Alors, des fois, c'est pas suffisant, ça, et tu peux aussi aller sur Google et taper des choses comme ton job title. L'intitulé de ton job. De ton du poste. Ouais. Voilà, ton job title, salary, donc par exemple, marketing manager, salary in Dubai. Et là, tu vas avoir pas mal de sites comme payscale.com oui. ou salary.com qui vont eux avoir encore une fois de la data par rapport à ça, et ça c'est super important. D'accord. Bien sûr il faut faire tout ça, d'accord. Autre méthode aussi, c'est les annonces d'emploi. Dans certaines annonces d'emploi, alors pas dans toutes hein, mais vraiment pas dans, mais dans certaines annonces d'emploi, on met encore le salaire. D'accord. Alors malheureusement pas dans toutes, donc c'est pas ma méthode préférée, c'est pas la méthode la plus sûre, mais avec ces trois méthodes, on est sûr d'avoir vraiment des données solides. Alors ces données, faut pas juste les laisser sur Internet, faut créer un petit document. Ouais. Faut créer un petit document. D'accord. Donc j'aurais dû mettre get data and create document. Ok. Ouais. Faut créer un petit document en disant voilà d'après byte.com. En citant les sources, en mettant, tu sais, il y a des images avec la fourchette, etc. Oui. En mettant copier-coller les images. En fait. Et en mettant les sources. En fait, il faut fournir un rapport professionnel de manière à, comment dire, à couper court à la discussion. C'est-à-dire que il faut, vous pouvez le voir de deux manières. Enfin, je reformule un peu ça comme à ma sauce, mais on peut le voir comme deux manières. C'est-à-dire que dans une négociation, il y a toujours une phase où on va se jauger l'un l'autre. Et le fait de présenter un document sérieux et pondu, ça va montrer à votre interlocuteur que vous avez vraiment travaillé votre sujet. Ça va lui rappeler votre professionnel, votre capacité à produire un travail, engagé. Et c'est deux manières, un, de couper court à ses objections, parce que c'est plus des « on m'a dit », mais c'est un site, des sources, enfin des documents, ce qu'on appelle sourcés. Et puis, c'est aussi donc réaffirmer votre position, et en plus, en dépassant le cadre du conflit interpersonnel. Voilà. Ouais, et puis surtout, c'est exactement ça, Thierry, hein, c'est vraiment ça. Et j'ajouterais même que, surtout, la première des objections qu'une personne va te dire, c'est « non, c'est pas ça le marché ». Alors, si on n'a pas documenté ça, ça va être quelqu'un qui va dire « si, c'est ça, j'ai déjà regardé sur Google », et l'autre qui dit « non, nous, on a des infos qui sont différentes ». Ah non, nous, les RH, ils nous disent pas ça. Non, t'es vraiment dans la moyenne du marché, là. Voilà, après, on n'avance plus, quoi. Donc, ramener un document avec des sources de byte.com, de Payscale, de telle société de recrutement qui a fait une étude salariale, un sondage, etc., ça coupe court. C'est exactement ça, ça coupe court, ça nous permet de pas se griller dès la première étape. Et ensuite, quatrièmement, il faut absolument avoir un one-on-one meeting, un meeting personnalisé. Alors souvent, les gens font ça dans tout ce qui est performance review, dans, tu sais, ces meetings où on fait... Ouais. Alors là, j'ai besoin de français. Comment tu traduirais performance review? Tu sais, où on fait une revue des résultats ou des objectifs. Des résultats, ouais. Ouais, exactement. En général, ça se fait une fois. Alors, généralement, quand je travaillais en France, ce qu'on appelait l'entretien d'évaluation. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, exactement, l'entretien d'évaluation. Et alors, les pires sociétés le font jamais, mais il faut le demander quand même, d'accord. Après, t'as les sociétés qui le font qu'une seule fois par an. C'est n'importe quoi. T'as quand même une grande majorité de sociétés qui le font tous les 6 mois, d'accord. D'accord. Alors c'est surtout quand on commence un poste et qu'on a
malheureusement pas négocié et qu'on a commencé un petit peu bas, ben, on est presque sûr qu'au bout de la période d'essai, qui est souvent de 6 mois ici, il y aura une revue des performances. D'accord? Donc, c'est important d'avoir un temps qui est ininterrompu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un temps où on va juste choper son manager à côté de la machine à café parce qu'il va être interrompu. Il va recevoir un email, il va recevoir un coup de fil, il va dire bonjour. Et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir... Il faut absolument être dans un espace où on ne va pas être interrompu. Une salle de réunion, il faut limite prendre une réunion, un meeting pardon, avec lui, un rendez-vous avec lui ou elle. Et vraiment faire que cet espace il est ininterrompu, parce que la pire chose qui puisse se passer, c'est que ben tu prends ton courage à 15 mains et tu y vas, tu prépares tes scripts, t'as regardé le machin de Thierry Hamza, et puis d'un seul coup il y a le secrétaire qui appelle et puis le boss il va prendre plaisir, il va dire je suis désolé, je vais y aller, on en reparle. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Ça, c'est super naze, quoi, hein. Donc, ça, c'est vraiment la quatrième étape, d'accord? Ok. Ensuite, il ne faut pas commencer par je veux de l'argent. Il faut plutôt commencer par, écoute, moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler ici. Et surtout, ce qu'on a accompli pour la société récemment. Mmh. C'est pour ça que je dis le point numéro 2, c'est vraiment mériter l'augmentation. Ben, si on la mérite, on va pouvoir la mettre en place, enfin l'exposer maintenant. Oui. Et dire, je suis vraiment content. Je vais essayer de la faire en français puis en anglais. Je suis vraiment content de travailler ici. Je voulais juste te dire que j'apprends beaucoup avec toi et j'étais assez fier de ce que j'avais accompli récemment pour la société. Je suis un des meilleurs performeurs par rapport à ça. Je finis souvent le travail que tu me donnes avant la deadline que tu me donnes. Tu l'as vu aussi. Je prépare des rapports qui sont très appréciés. D'ailleurs, le CFO a commenté récemment. Tu vois, tu mets en fait des choses qui vont créer un impact, qui vont un petit peu remettre la personne en face, le manager, le directeur, dans l'état d'esprit. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment un super élément. D'accord. Ouais. En anglais, ça ferait listen, I just want to tell you that I really love it here. I love working with you. I think I'm learning a lot from you. On another point, I'm really proud of what I've been achieving in the team. I'm one of the top performers. You've told me that several times. I've been helping other departments. I've mentored other team members to higher performance. You've seen what I've done with so-and-so. He didn't do well, and I helped him overcome his fear of the phone or whatever. Et après, là, on bouge sur le point numéro 6. D'accord. Donc, c'est vraiment important de jamais aller dans une négociation avec... Il faut qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Si on y va avec « il faut qu'il y ait un vainqueur et un perdant », si on y va avec « il faut qu'il y ait un clash », il va y avoir un clash, on va flipper. On va avoir peur. T'es d'accord, Thierry? Oui, tout à fait. Oui. Premièrement, on va stresser parce que pour nous, bah, c'est quand même le manager, c'est lui qui a la décision finale, etc. etc. Et deux, en fait, personne ne veut accepter la défaite. C'est pas un jeu qu'on a envie de jouer. Donc, il faut absolument essayer de se dire, on va essayer de collaborer, travailler ensemble pour que les deux parties soient contentes. Tout à fait. Et c'est pour ça que le point numéro 5, il est super important. C'est qu'on n'y va pas, surtout pas, le contraire du point numéro 5, et ça, je l'ai vu, c'est avec une... comment tu dis ? Une menace de quitter. Une menace de partir. Il va y avoir un gagnant et un perdant. Et il ne faut absolument pas jouer à ça, parce que l'employeur va s'en occuper. Oui, en plus le fait de menacer, c'est un piège que vous tendez à vous-même, parce que à partir du moment où vous menacez, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez et que vous ne mettez pas votre menace à exécution, vous perdez toute crédibilité. Ça, il faut se le dire. La menace, c'est c'est quelque chose qui doit être proportionné. Faut pas menacer toutes les 3 minutes de s'en aller, parce que de toute façon, au bout d'un moment,
ça n'aura plus d'importance, parce que vous serez celui qui passe son temps à dire qu'il s'en va toutes les 30 secondes, et donc bah, ça n'a pas d'impact. Ouais, et puis moi je dirais qu'il faut jamais menacer qu'on va s'en aller. Tout à fait. Il y a des manières plus subtiles de le faire. Oui. Il faut que l'autre personne va avoir peur que vous partiez, on va le voir, sans que vous ayez à le dire. Le problème de le dire, c'est que bah, vous prenez un gros risque. T'imagines si le manager dit, écoute, si tu dois partir, tu dois partir. C'est est-ce ça. Que je dois faire ça pour une démission? Ah bah là on est bien. Ouais. Là on est super bien, tu vois, on a voilà. Donc faire super attention. Numéro 6, bah là on va commencer à la négociation en fait. Ouais. Donc on introduit le sujet. I would like to discuss something important with you. Donc là je veux absolument qu'il se concentre sur ce que je vais lui dire. Donc je le prépare mentalement à vraiment zoomer là, s'il est distrait. Tu vois, je marque même une pause ici, si tu veux. I would like to discuss something important with you. D'accord? Ensuite, ce que je vais dire, c'est, listen, I was doing some research about salary levels for someone at my level. Mm-hmm. And based on the numbers, it appears that I'm 15% below the average salary in the market. Mm. Là, bien sûr, on présente ben, la doc et les sources qu'on a. Bien sûr. Donc, pour couper court à toute négociation de non, pas vraiment, non, voilà. Donc, et surtout, la façon dont on le présente, c'est it appears. Donc, c'est et apparemment, je suis 15% et j'ai été surpris parce que apparemment, tu vois, c'est pas du tout une attaque. Oui. C'est moi-même, je le savais pas. Donc, je veux bien penser que tu ne le savais pas non plus. Je viens de t'informer. Je viens t'informer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, vraiment important. I'd like to discuss something important with you, John. Okay. All right. Listen, I was doing some research recently about, you know, salary ranges for someone at my level. And based on the numbers, it appears that I'm 15% below the average salary in the market. I prepared some data, actually. If you want to have a look. Et tu le laisses prendre connaissance. Voilà. Parce que ce qui vient après, c'est très important. Il faut absolument maintenant dire, so I'd like to discuss a salary adjustment of at least 15%. Alors, tu vois un peu le choix des mots ici, Thierry. En fait, mon travail, c'est énormément le choix des mots. Mon travail, si tu devais le résumer, c'est beaucoup le choix des mots, que qu'ils soient écrits sur un CV, dans un email ou dans un entretien ou dans une négociation. C'est beaucoup de choix de mots, de timing et de questions. So I'd like to discuss a salary adjustment. C'est un réajustement. C'est pas une augmentation. Tout à fait. Je ne demande pas une augmentation. Une augmentation, ça veut dire que tu me rends service, tu me fais une faveur. Un ajustement, ça veut dire que tu répares un préjudice. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est vraiment très important. So, I'd like to discuss a salary adjustment of at least 15%. Tu sais ce que tu fais après? Non. Ah, tu dis rien. Oui. C'est là que les gens, ils détruisent tout. C'est là que les gens détruisent tout. Ils disent a salary adjustment of 15% because you know, et à chaque phrase, à chaque mot, ils perdent un peu de leur pouvoir. Le moment, il est plus aussi pressurisant, stressant pour l'employeur. Tout à fait, oui. Il faut créer une situation de stress, de pression, de silence insoutenable qui fait que l'employeur, c'est à son tour de parler. Voilà, faut. Et là, il faut. Voilà. Ouais. En fait, il faut mettre ton interlocuteur mal à l'aise par le silence. Parce qu'à partir du moment où tu as donné la dernière affirmation, le cerveau humain est ainsi fait que normalement quelqu'un doit reprendre la discussion, et si tu refuses de la reprendre, il a une pression. Exactement. Alors il faut essayer de viser quand faire le silence. Tu vois, moi ce que je ferais, c'est que si je présente la doc et qu'il se met à la lire, je ferai d'abord un silence d'abord. Je ne dirai rien jusqu'à ce qu'il termine de la lire et qu'il la pose sur la table
Et là, je dis, so I'd like to discuss a salary adjustment with you. Parce que sinon, il va se réfugier dans la doc. Mm. Si je le dis ça pendant qu'il est en train de lire la doc, il va se réfugier, c'est-à-dire le stress, il va se cacher, si tu veux, en faisant exprès de lire son truc très intéressant. Mm. Et ça, je ne veux pas que ça se passe. Tu vois ? En tout cas, le silence ici, il est important parce que ce n'est pas à toi de parler, c'est à lui. C'est absolument important, primordial, critique, que c'est lui qui parle à partir de ce moment-là. Ça fait du sens ? Tout à fait. Alors, bien sûr, ça ne va pas être « Tu sais quoi, Hamza ? J'attendais cette conversation depuis longtemps. Allez, j'avais bien justement préparé un chèque pour toi. » Ça ne va pas être ça. Non. Ça va être plutôt une objection. Et en général, c'est « L'économie, elle n'est pas bonne en ce moment. Mmh. Le marché, il est lent en ce moment. Ouais. Les budgets, tu sais, ils sont vraiment bas. C'est dur en ce moment. Mmh. C'est dur. » En gros, il va essayer de botter la balle en touche. Il va essayer de temporiser. Et c'est super important de ne pas lâcher la pression à ce moment-là. D'accord. Voilà ce que je dirais, moi. Je dirais « I understand the market is slow at the moment, but I've been making extraordinary contributions and I'd like to be compensated accordingly. Right now, I'm not even being compensated at the average number of someone with my experience. » Tout à fait. Je comprends que le marché est un petit peu lent en ce moment. Alors, I've been making extraordinary contributions. Alors, aide-moi. Voilà. Tu vois, c'est I've been making extraordinary contributions. Comment tu traduirais ça d'une manière fluide? Les commentateurs peuvent y aller. On est preneur de tout, là. Voilà. Comment on pourrait faire? I understand the market is slow at the moment, but I've been making extraordinary contribution to the company and I'd like to be compensated accordingly. Et ça, les contributions, justement, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de contributions très positives pour la société et je voudrais être compensé accordingly, au même niveau ou non? D'une manière équivalente. D'une manière équivalente, c'est super ça. C'est exactement ça, pardon. D'une manière équivalente. Et right now, pour le moment, je suis... Et à l'heure actuelle, je n'obtiens même pas la gratification... Enfin, je n'obtiens pas la gratification moyenne pour quelqu'un qui a mon expérience. Voilà, je... la compensation, non, on dirait pas la compensation, hein. La rémunération, la gratification, comment tu as traduit, comment, right now? Et actuellement? Actuellement, je suis même pas, au niveau de rémunération. Moyen, ouais, niveau de rémunération moyen d'une personne, de mon expérience. Mmh. Voilà. Donc là, c'est vraiment, super important de dire, attends, je rigole pas. Là, je suis même pas à la moyenne. Mmh. Il vient de voir la doc. D'accord ? Il faut bien comprendre que le fait que l'économie, elle est difficile, que le marché, il est difficile, n'a pas à avoir une incidence sur ton salaire. Ça, c'est le problème de l'employeur. Oui. Pas si tu ramènes de la valeur ajoutée. C'est pour ça que je dis, il faut mériter son augmentation. Si tu ramènes de la valeur ajoutée pour la société, son job, c'est de te garder, parce que s'ils perdent un élément comme toi, ils vont pas être contents. Donc, tu vois, la dernière phrase, elle est vraiment... Attention, là, c'est subtil, je peux partir. Mais tu le dis pas. Non. Tu le laisses supposer. Exactement. Donc, tu lui dis, oui, je comprends, c'est bien, il n'y a pas de budget en ce moment, l'économie, mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis même pas payé dans la moyenne de quelqu'un qui a mon expérience. Mmh. Tu sais ce qu'on fait après? Non. On dit rien du tout. On dit absolument rien. C'est super important, ces moments de silence. D'accord. Super, super important. Ça, c'est là où tout se fait, en fait. C'est dans cette pression que lui va commencer à dire, écoute, je veux bien qu'on en discute, alors essayer de voir comment on pourrait, te rendre un peu plus
satisfait ou tu vois, ça c'est à l'employeur de commencer à dire. Ce qui va être très très important, tu vois, là on s'est battu sur deux objections. C'est-à-dire qu'on s'est on s'est tu deux fois. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Et peu importe les objections, faut absolument dire continuer sur cette ligne de mais attends, je ne pense pas que mon salaire actuel reflète le niveau de contribution, le niveau de performance que je donne, surtout à partir des données chiffrées que tu as entre les mains. Et là, je dis rien. Mmh. Et là, je redis rien. Je ne lâche absolument pas l'affaire. Rappelle-toi, on n'est pas dans une situation où notre job, il est menacé. Ils vont pas dire ah mais je vois que tu négocies bah tu sais quoi bah t'es viré. Mmh. Mais non, n'importe quoi. Surtout si on mérite notre augmentation, si on a fait tout pour vraiment résoudre des problèmes, faire des choses bien, tu vois ce que je veux dire. Mmh. D'accord. Mmh. Alors ce qui est l'étape numéro 10 maintenant, c'est vraiment d'écrire, d'avoir les choses par écrit, parce que souvent les managers, suivant d'ailleurs leur culture, leur nationalité, ils vont te dire oui, t'as raison, je vais aller voir XYZ, là il est en voyage pendant 18 mois mais il revient un jour, je te dirai quand, de toute façon je t'oublie pas. Non. non, j'ai exagéré exprès, mais oui bien sûr, ça ne marche pas. Non, il faut absolument dire, et c'est là qu'il faut dire alors pardon parce que je ne l'ai pas écrit, mais c'est là qu'il faut dire, d'accord, je comprends qu'il faille demander la permission au RH. Mmh. Voudrais-tu que j'aille voir, moi, le RH directement? Comme ça, c'est, enfin, si je vois que... Moi, je pensais que c'était toi qui avait le droit, enfin, la décision par rapport à ça. Mais si tu veux, je peux aller voir les RH directement. Non, laisse, je vais le faire, t'inquiète pas. D'accord. Et juste... une question, just a question, je vais le faire en anglais parce que enfin souvent les gens sont à Dubaï. Just a question, in your opinion, I understand you have to ask the CEO, HR, but in your opinion, do you think I should get a raise? Do you think my salary should be adjusted or not? Mm-hmm. Just your opinion. No, I don't know, I don't want to commit. No, it's just between us, I'm just asking for your opinion. You know me, we've been working together for several years. Do you believe my salary should be adjusted to the level, to the market level or not? Ça, tu vois, c'est un minimum, avoir son opinion. Parce qu'une fois qu'il va te donner son opinion, bah, c'est comme s'il va faire un pas vers toi. Tout à fait. Et que, du coup, s'il n'est pas capable de te dire franchement, moi, je pense que tu devrais avoir une raise. S'il te dit ça, tu l'enchaînes tout de suite par quoi? Pourquoi? Why do you think so? Because you're one of my best team member. I completely, completely see when you come early, you leave late, you're a hard worker, love working with you, always smiling. Là, tu sais qu'il est convaincu. Mm. Et s'il dit pourquoi, listen, yeah, because you know, I mean, look, you need to have a raise because, I can understand the market is... Là, il n'est même pas convaincu, lui. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas les arguments pourquoi. Alors, il ne va jamais les trouver avec les RH ou avec le CEO. Il faut dire, première étape, c'est d'accord, ça ne dépend pas de moi. Bah, d'accord, ton opinion. Non, mais juste toi, tu penses que... Mm-hmm. D'accord, oui, je pense que tu devrais. D'accord, pourquoi? Pourquoi, à ton avis, je devrais? En gros, tu coaches ton manager. Si jamais il oublie des points, toi, tu es capable de lui dire « Et n'oublie pas aussi que j'ai fait ça et j'ai mis en place ça et que depuis, on économise pas mal d'argent depuis que j'ai fait ça et je voudrais continuer à contribuer encore plus. » quoi. D'accord. Tu vois, tu le coaches. Donc, le why, le pourquoi tu penses ça, tu penses que oui, pourquoi, ben, ça va te permettre de voir avec quels arguments il va aller discuter avec le CEO. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à la fin, ce qui va être très important, c'est de le closer, c'est-à-dire quand est-ce que tu reviens vers moi? Quand est-ce que tu le vois?
Écoute, j'ai un rendez-vous, j'ai un meeting avec lui demain après-midi. Je vais essayer de lui en toucher un mot. Superbe, superbe, superbe. Écoute, c'est génial. Ce qui est important après, c'est d'absolument avoir les choses par écrit. D'accord? Et de dire thank you so much for doing this. To be honest, I feel more valued now. Alors, la technique, c'est qu'on fait comme si on allait la voir. Thank you so much for doing this. To be honest, I feel more valued now. And this goes a long way into the way I see my career within the company. En gros, le message subliminal, c'est, ben, tu vois, la façon. La façon en fait dont ça va se passer après va me donner une indication sur quel est mon avenir dans l'entreprise. Exactement. T'as vu, c'est très subtil. Ouais, ouais. Pression indirecte. Exactement, exactement. Et surtout, tu dis thank you so much for doing this. Donc comme si, en fait, là il a la pression, le gars, parce que il a du mal à décevoir. C'est une des choses que j'apprends à mes vendeurs quand ils appellent les clients, les employeurs. Souvent, ils arrivent avec le numéro général, la réception, et la réceptionniste, elle bloque. Elle dit non, si tu connais pas, si t'as pas son numéro, si t'as pas son nom, tu passes pas. Et souvent, moi, ce que je suis en train d'oublier ce que je voulais te dire. Ce que je leur dis de faire, c'est de demander le numéro, mais de pas attendre la réponse. De dire, what's his mobile? What's his direct line, please? Thank you. Ou alors, can you put me through to John Smith, please? Thank you. Le fait de dire thank you ne laisse pas l'opportunité à l'autre personne de considérer si oui ou non. Ok. Ça fait du sens ce que je dis ou pas? Oui. Ça rejoint une de mes expériences personnelles. Alors ça n'a rien à voir en direct, mais je vais quand même le raconter. J'ai un ami. Quand on va manger dans un restaurant à Dubaï, eh bien, on a beau ne pas avoir de réservation, 10 minutes après, on est à la meilleure table. Et pourquoi? Parce que de toute façon, il déroule implacablement son argumentaire, en passant son temps en remerciant les gens de ce qu'ils sont en train de faire pour lui, et ça finit toujours par ça commence par il y a pas de place et ça finit on est à la meilleure table. Donc, c'est exactement ça. Donc ça c'est une technique aussi. C'est vraiment, tu vois, c'est win-win, hein. C'est travailler avec l'employeur, collaborer avec lui, le faire bien le faire sentir par rapport à ça, d'accord? Et en même temps, c'est « Listen, I would like to make sure I understand what we've agreed today. » Donc, peu importe ce qui s'est passé, il faut le documenter. « If that's okay », pardon, j'ai mis « Is that okay ?» Actually, on peut faire les deux. « Is that okay if I send you an email ?» En gros, pour te dire que j'ai compris. « And you can simply okay it if we are on the same line. » Tu vois? Tout à fait. Et ça, c'est super important parce que il faut qu'il ait un OK, c'est ce qu'on a discuté. Il faut que tu aies ça. OK, c'est ce que je vais essayer d'avoir. OK, c'est ce qu'on s'est mis d'accord. OK, peu importe. Oui, et puis. Là, je pars un petit peu dans les scénarios où il doit demander la permission à X, Y, Z. Enfin, là, je vais un petit peu loin pour essayer d'aider un maximum de monde. C'est vraiment l'idée, en fait. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est que le point numéro 10, ça se termine, Thierry, par je vais résumer ce qu'on s'est dit par email. Et pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, est-ce que tu pourrais simplement me dire yes, c'est ça, ou non, c'est pas ça? Donc tu vois, l'effort demandé de son côté, c'est vraiment minime. Tout à fait. Souvent, les gens, ce qu'ils font, Thierry, c'est quelque chose d'inverse. Ils disent d'accord, tu peux me le mettre par email. Alors, un, ça fait comme si tu lui faisais pas confiance. Deux, ça fait un effort. Le gars, maintenant, tu lui demandes d'être ta secrétaire. C'est lui qui doit faire la synthèse de ta réunion. Il a pris les minutes, il a pris les notes de la réunion, quoi. C'est pas cool du tout. Tout à fait. C'est mieux que ce soit toi qui le fasse. Et c'est à lui de dire oui ou non. Oui ou non, c'est simple. Et surtout, tu t'assures que s'il manquait d'arguments, par exemple, bah, tu les mets sur l'email. Comme ça, il n'oublie pas. Tout à fait. D'accord? Oui. Et surtout, dans l'email, continuez à le remercier. Par exemple, once again, I would like to
thank you for at least agreeing that my salary should be adjusted. I know that decisions is not in your hands only, but the simple fact that you agree that my salary is not at the right level right now means a lot to me. Thanks a lot, John. Tout à fait. Je continue sur ce remède. Et en plus, je le mets dans une situation où il est dos au mur. Parce qu'en me donnant son opinion qu'il est d'accord que mon salaire devrait être ajusté, c'est juste son opinion, mais je le mets de mon côté dans la négociation salariale. Donc on est maintenant deux, une personne qui veut une augmentation, son manager qui le soutient et qui va discuter avec l'autre. Tu vois ? Oui. Est-ce que ça réagit ? Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que les gens apprennent quoi que ce soit ? Ouais, oui, oui. Y a, par exemple, il y a Annie qui, comment dire, qui fait remarquer que, en plus, l'email, ça va vous donner une excuse pour faire un suivi. Exact. Voilà. Oui, oui, tout à fait, Ouais. Absolument. Alors, maintenant, et si vous étiez pas sous-payé, si vous faites votre recherche, donc vous faites les points de 1 à 5. D'accord. Point de 1 à 5, on fait exactement la même chose. Donc, tu te rappelles, hein, donc, oui. On parle pas d'excuses bidon, du martyr, ma femme, je travaille dur, la vie est dure, je sais pas quoi, j'ai les diplômes, tout ça. Numéro 2, il faut mériter l'augmentation. Numéro 3, on va faire des recherches, on voit qu'on n'est pas sous-payé. Numéro 4, on a un meeting en one-on-one. Ininterrompu, d'accord. Oui, très important. Et numéro 5, on prépare les accomplissements, d'accord. On prépare les accomplissements, les résultats qu'on a fait. Donc pas les heures de travail qu'on a fait, c'est pas important. Non, les réalisations. Exactement, ouais. Exactement. Donc les 5 points sont valides si on découvre qu'on n'est pas sous-payé, mais qu'on veut quand même avoir une augmentation. Parce que là, c'est plus un ajustement, c'est une augmentation. Bah, en fait, il y a une technique. Il y a des types de questions. La pire chose qu'on puisse faire, tu sais, Thierry, c'est poser une question qui se termine par oui ou non pour des choses importantes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est gamin, parce que quand on est gamin, on dit est-ce que je peux avoir ça ? Je peux aller ici ? Je peux manger ça ? Tu peux me donner ça ? Tu peux me passer ci ? Et c'est toujours des questions fermées. Ça se termine par oui ou non. C'est ça le résultat final. Et malheureusement, les gens utilisent ça pour, après, dans leur vie d'adulte, et se font refouler. Ouais. Ils se font refouler. Ils demandent à leur banquier, est-ce que c'est possible si on peut avoir ça ? Enfin, le banquier, il a le choix. Tu viens de lui donner un pouvoir énorme, tu viens de lui donner oui ou non. Il va prendre non. S'il y a moins de boulot pour non, il va prendre non. S'il n'y a pas un intérêt pour lui, il va prendre non. Mais c'est ta faute s'il a dit non, parce que toi, tu lui as offert la possibilité de dire non. Il ne faut absolument jamais offrir la possibilité de dire non pour les choses importantes. À part si tu demandes à ta femme, à ta fiancée, si elle veut bien se marier avec toi. Là, il faut lui offrir quand même le choix. Mais sinon, il ne faut jamais, jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. Et souvent, les gens font... bonjour madame, est-ce qu'il serait possible de... Ben non. Ah non, je suis désolé, c'est pas possible. Ben non. Il faut donc éviter ces choses-là pour les points importants. D'accord ? Alors, en anglais, on utilise les 5 W's 1 H. Donc, c'est les 6 types de questions. D'accord ? Ouais. Et les 6 types de questions, on les connaît en anglais. Hein. C'est des questions qui commencent par what ? Oui. Where ? Oui. Why ? Oui. When ? Oui. Oui. Et who ? D'accord, d'accord. Ça, c'est les 5 W's. Alors, why, j'ai mis une petite astérisque. Parce que pourquoi, c'est très intrusif et très violent. C'est très interrogatoire. Il faut faire super attention avec pourquoi. Les Anglais ont une manière de poser le pourquoi. Ils disent, can I ask you why? Donc, ils font une question à oui ou non. En gros, ils demandent la permission de demander pourquoi. D'accord. C'est un peu pareil en français quand on dit est-ce que je peux juste vous demander pourquoi ? D'accord. C'est plus soft. Parce que pourquoi, c'est très. C'est violent, hein ? Oui. C'est le petit bémol, c'est simplement ça. D'accord ? En anglais, on dirait how come ? D'accord ?
Alors ça c'est les 5 W's et le 1 H c'est how. Et le how is the clean en plein de questions bien sûr avec how many, how come, how much, how often, etc. etc. D'accord, d'accord. Alors on utilise ces questions là et c'est super important. Alors quand est-ce qu'on utilise les questions qui se terminent par oui ou non? Quand est-ce qu'on utilise ces questions fermées? On les utilise seulement, enfin seulement pour ces points là. D'accord, pour demander d'accord. la permission. Par exemple, si imagine que tu es en train de parler et que je souhaite t'interrompre. Ok. Ben en anglais, on dit Can I make a suggestion? Can I make a suggestion? On fait que pour que la personne ralentisse et qu'il nous écoute et on dit Can I make a suggestion? Ou alors quand on demande la permission. D'ailleurs, je viens de demander la permission. Can I make a suggestion? C'est aussi une demande de permission. Can I ask you something? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? En général, ça demande la permission et ça interrompt sans être impoli. D'accord. D'accord? Okay. Ok. Ou alors to reframe. D'accord? To reframe, donc changer un petit peu les règles du jeu. Enfin, je vais pas faire le cours entier là ici, mais en gros, pareil aussi pour s'assurer que les gens sont ou la personne, l'interlocuteur est au même niveau. Donc, on dit Does it make sense? Does it make sense? C'est une question fermée, mais c'est juste pour s'assurer qu'on nous suit. D'accord? D'accord. Voilà. En fait, c'est plutôt une question de contrôle. Ouais, c'est vraiment des questions de contrôle. Hein. Mmh. Les gens qui sont habiles posent ces questions fermées avec des questions en questions de contrôle, comme tu le dis si bien. Donc vraiment, vraiment très important d'arrêter de faire le bébé quand on pose des questions. Madame, est-ce que je peux vous demander s'il est possible? Alors, est-ce que je peux vous demander, déjà, première question, est-ce que je peux vous demander, on demande l'autorisation de juste parler, ça c'est vraiment super bébé, est-ce que je peux vous demander s'il est possible, donc madame vous pouvez me rembarrer tout de suite, les gens se chopent beaucoup plus de non. Oui, oui. Quand ça. D'ailleurs, mes recruteurs, quand je les forme et qu'ils parlent à des réceptionnistes, pour reprendre l'exemple d'avant, ben, je leur dis, vous dites jamais, can I have the number of? Parce que principalement, vous allez avoir des noms. C'est confidentiel. Vous donnez du pouvoir à la personne, elle va s'en servir. Il faut plutôt dire What's the number of John Smith, please? Thank you. Tout à fait. On va même plus loin, nous. On va même vers What's the number of John Smith, please? 04. D'accord. Tu vois un peu où oui, est-ce que... En commençant même la réponse, oui, oui. Ah, bien sûr, ouais. Parce qu'on c'est mental, si tu veux. Si tu permets à la personne en face de considérer si elle a envie de te donner ou pas, c'est mort. Oui, en fait, on se retrouve un petit peu dans certains concepts d'anthropologie au niveau des... Comment ça s'appelle ? Des relations domination-subordination. Et le fait, en fait, en montrant... comment dire ? Avec ce type de formulation en fait qui élimine la possibilité du non, tu prends une forme de, je pense surtout dans le cas de la réceptionniste, tu prends une forme d'ascendant. Effectivement, hein, tu te prends une forme de je suis pas en train de te demander la permission, je suis en train de te demander de le faire. C'est ça. Absolument, absolument. Je suis en train simplement de te dire ce que je souhaite. Tu m'as demandé how can I help? Je viens de te répondre comment tu peux m'aider. D'accord ? Il faut vraiment quitter ce mindset de bébé. Est-ce que je peux avoir du chocolat ? Ben, et malheureusement, quand on est adulte, on garde ça. Ouais. Et on va aller vers un boss et on va lui demander quoi, le boss ? I was wondering when I can have a raise. Ou alors... I would like to ask you when I can have a raise. C'est d'une maladresse puissante. C'est un enfant qui demande à son papa. Et tu vois, c'est pas forcément le concept de subordination, d'insubordination, pas forcément ici. C'est plutôt le concept de soit ces deux adultes qui parlent et ils essaient de trouver un truc entre deux, ou alors il y en a un qui joue le bébé.
Can I have a raise? Tu vois, et ça, c'est vraiment très maladroit. Très, très maladroit. Alors, voilà, et to ask why, c'est le dernier point. J'avais donné l'exemple, hein. Can I ask you why? OK? What if you're not underpaid? Alors, donc, comment on ferait? Les cinq premières règles s'appliquent. Mmh. D'accord? On a discuté de ça. Les cinq premières règles s'appliquent. Donc, ça, c'est important. Et là, on va poser une question avec les 5 W's and 1 H. Une des questions, ça va être, John, I have a question for you. You know how, you know, committed I've been and how much I've achieved in the last 6 months in my role. I've gone beyond my objective. I'm one of the best performers in the team. You know, you can count on me. And I was wondering, what would I need to do in order to grow, in order to earn blah, 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 25,000 dirhams in this company. Ou alors, tu peux l'approcher avec une demande de conseil. Très habile. Quand tu demandes un conseil, tu n'es plus dans l'affrontement encore. Tu es plus dans, écoute, tu es de meilleurs conseils que moi. Peux-tu me conseiller? Donc, John, can I ask your opinion on something? Sure. Listen, you've been in the company for longer than I, and you know these things better than I do. Just wanted your opinion. What would I need to do in order to earn 24,000 dirhams? Tu vois un petit peu l'effet que ça fait? Tout à fait. C'est très soft comme approche. C'est pas du tout une approche risquée. Et surtout, c'est une approche collaborative, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je dois faire pour que toi tu me donnes plus. C'est vraiment à deux qu'on va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Une autre question un peu du même genre, et ça peut être vraiment avec un frame similaire, c'est-à-dire avec une demande de conseil. John, can I ask your advice on something? Sure. Listen, what would be expected from me in order to earn that much, in order to become the manager of this team, in order to become... C'est exactement le même concept, en fait. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est vraiment, tu vois, on dit pas, on pose pas des questions de bébé, on utilise des 5 W's, 1 H. Et l'approche de « Can I ask your opinion on something? I need your advice on something? » C'est vraiment une approche de naïve qui montre qu'on n'est pas dans le clash, mais qu'on est dans « Travaillons ensemble, je voudrais que tu me conseilles. » Ok. Ça fait du sens ou pas? Oui, ça fait du sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu rends ton interlocuteur, comment dire, co-créateur. Tu lui donnes un rôle de mentor. Voilà, et co-créateur de la solution. Ouais, et tu lui donnes aussi un super rôle. C'est-à-dire que tu lui donnes un rôle de mentor, en fait. Oui, tout à fait, oui. Un rôle qui va lui un rôle de prestige, un rôle qui va... Qui le valorise, oui. Qui le valorise, exactement, exactement. Voilà, c'est une dernière peut-être pour la route, c'est what would it take for me to become or to start earning that much or to become blah 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 manager. D'accord. What would it take from me? Et ça, c'est important, c'est toujours collaboratif, c'est toujours ce que je dois faire pour pouvoir faire ça. Et à la fin, bien sûr, on va l'avoir par écrit. À la fin, tu fais exactement la même chose, tu dis, je voudrais juste être sûr que j'ai bien compris. Là, je t'envoie un email, tu peux juste me dire si on est sur la même longueur d'onde. Oui, okay. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Voilà, c'est question time, Thierry. Alors, au niveau donc des questions, on en a quelques-unes. Alors, Mathieu, bonjour la Belgique, nous dit, dans les annonces d'emploi, les employeurs ne tapent-ils pas exprès un peu en dessous pour se laisser une marge de négociation? Bien sûr que oui, absolument. Absolument. Là, on n'a pas parlé des... Il a raison, Mathieu, mais on n'a pas parlé là de la négociation salariale en entretien d'embauche. Tout à fait. Mais absolument, bien entendu. Voilà. Ils vont jamais vous donner le maximum. Mais en fait, la question est venue au moment où tu parlais, tu sais, de faire ton étude de salaire
en regardant les salaires proposés sur les offres d'emploi. D'accord. Donc en fait, dans ce cas-là, oui, mais justement, c'est encore mieux parce que Mathieu, si ton salaire est inférieur à ce qui est dans les offres d'emploi, bon ben, tu roules sur du velours. Parce que on sait tous, les offres d'emploi sont légèrement sous-évaluées pour laisser un espace à la négociation. Voilà. Alors, il y a Annie qui nous a fait une belle question en anglais que je vais traduire en français. Salaires des hommes sont supérieurs aux salaires des femmes. Voilà. C'est... Et donc, en fait, elle aimerait savoir si on a une idée du pourcentage, en fait. D'accord. Non, bien sûr que non, pas d'idée de pourcentage. Statistiquement, on trouve bien sûr des différences entre la femme et l'homme. Alors je dis bien sûr, pas parce que c'est logique, mais parce que ça se produit. Bien connu, ouais. Et statistiquement, il y a eu beaucoup d'études qui disent aussi que les femmes osent beaucoup moins négocier que les hommes. Mmh. Beaucoup d'études. Notamment en Amérique où les femmes, d'après certaines études, osent moins négocier que les hommes. D'accord. Alors après, ça n'explique pas ça. Il y a aussi du machisme, il y a aussi pas mal de choses peut-être, mais voilà. Il y a une autre question de Annie qui est intéressante. Ouais. What would you do different if your one-to-one is via telco rather than face-to-face? Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de différent si le one-on-one est par téléphone au lieu de face-à-face? Ouais. Je ne négocierais pas Annie au téléphone. D'accord. Le minimum, s'il est dans un autre pays, d'accord, ce qui est possible, c'est que je ferai un Skype. D'accord. Il est absolument important dans la technique que je viens d'élaborer que le silence. Ben c'est juste parce qu'il est en face de toi. S'il est à côté, enfin, c'est pas la même chose, d'accord? Voilà. Et alors, on avait d'accord. Et Mathieu précise donc en fait, il parlait de VC, de visioconférence. Visioconférence, ouais. Bien sûr. Ok. Voilà. Franchement, on est trop old school nous. Alors, ouais. Tu sais, Karim, je viens peut-être de comprendre une émission, la question de Karim. Est-ce que Karim, je sais pas, hein, mais est-ce que ce que tu veux dire, c'est comment faire présager qu'on pourrait démissionner pendant la négociation? Et si c'est ça, alors si tu as respecté le script que j'ai donné, en fait c'est subtil et tu le fais tout au long présager avec le silence. Oui, oui. Le silence est vraiment, vraiment puissant en fait. Ouais. Vidéoconférence Annie, vas-y, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu vois? Oui, une autre question de Annie tout à l'heure, mais elle n'apparaît plus. D'accord. Voilà, oui. Je vais faire en anglais parce que ça me prendrait trop de temps de la traduire en français. Also, ouais. The start doesn't have to be monetary to start with, but for the company to help funding and allow sometimes towards some higher education professional training equivalent. Donc en fait, l'idée ouais. c'est que la raison. Voilà l'augmentation n'est pas forcément une augmentation en termes de salaire, mais par exemple en termes de training, de formation ou de ce qu'on appelle les avantages en France, enfin les à côté sur le salaire, je ne sais pas moi, une meilleure mutuelle, si vous êtes à Dubaï par exemple, une meilleure prise en charge de l'éducation de vos enfants, des choses comme ça, hein, une meilleure house allowance, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, et c'est super intéressant et logique ce qu'elle dit. Annie, elle a tout à fait raison, parce que effectivement, c'est pas que du cash, juste des ce qu'on appelle ici des benefits vaut de l'argent, d'accord. Donc si je sais pas, ils se mettent à vous payer une voiture, par exemple, vous payez louer une voiture pour vous ou des choses comme ça, ça vaut de l'argent. Mmh. Donc pour eux, peut-être que c'est plus facile à budgéter. Ouais. Ce genre de choses, ou alors un forfait portable, ça c'est pour les petits trucs, ou les gros trucs ce serait l'allowance pour education, donc pour tout ce qui est école pour les enfants. Ouais, il y a Karim c'est plutôt jusqu'où on peut aller avant d'annoncer la menace de démission. Karim, ma réponse elle va être nette et précise, jamais, jamais menacé de démissionner. Ouais. Si tu cherches un travail, cherche un travail.
Et après, va-t'en. Mais menacer de démissionner, tout ce que tu vas faire, c'est créer un environnement défavorable. Super défavorable. Ouais. Ouais. Même, imagine, Karim, si tu mets le couteau sous la gorge et tu as le salaire, tu as le salaire, d'accord, que tu veux. Mais il va tout faire pour te faire payer parce que tu lui as mis le couteau sous la gorge. Ouais, ouais. Le truc du silence, c'est que tu ne menaces jamais, mais c'est très implicite. Mais en tout cas, tu n'arrives jamais à la menace de démission. Si toi, tu veux voir ailleurs, tu vas voir ailleurs. Khalas. Tu vas se dire, c'est lui, il ne bouge pas. Quoi. Ouais, et Annie, elle a raison. Don't burn bridges. Hein, c'est... Tu as besoin de ton employeur. Hein, c'est lui, quand même, rappelle-toi, qui accepte tes vacances, il a dit non cette fois-ci, peut-être qu'il va dire non, il va dire oui dans 3 mois. Enfin, tu vois, il faut faire super attention à pas essayer de menacer, etc. Quoi. Le coup du couteau sur la gorge, c'est super dangereux. Ouais, ouais. Moi, je dirais, Karim, de ma mauvaise expérience, parce que j'ai déjà fait ça dans ma carrière. En fait, quand j'étais jeune, je faisais ce genre de choses, mais je le faisais en ayant déjà trouvé un travail. C'est-à-dire que j'allais voir mon manager et je lui disais, voilà, moi j'ai une offre là, signée et tout. Je donnais même la lettre de l'offer. Je disais, voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, ça s'est jamais bien passé, mais ça c'est parce que j'étais un jeune con. voilà. Mais dans ce cas-là, je veux dire, si tu veux aller jusqu'à la menace de démission, ben allez, tu as vraiment envie, tu penses que c'est mieux. Ben, dans ce cas-là, donne-toi les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, faut que tu aies déjà quelque chose de prêt pour te réceptionner. Sinon, ça sert à rien. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Thierry ? Oui, il y a Mathieu qui veut savoir, alors c'est un petit peu hors sujet, mais savoir si les allowances sont réglementées à Dubaï. Genre, est-ce qu'il y a des... Mathieu, c'est à peu près 50% du salaire total. Ouais. D'accord. Toutes allowances confondues, c'est à peu près. Donc, il y aura toujours un commentaire ou deux qui va dire « Ah non, moi, c'est 55%, 60% » ou des choses comme ça. En général, pourquoi ? Parce que premièrement, historiquement, avant, ils te logeaient, les premiers expats, ils les logeaient dans des vraies maisons, ils leur donnaient l'appart, la maison. C'est des choses qui se font plus rarement maintenant, mais historiquement, c'est des choses qui se faisaient. Deuxièmement, le bonus à la fin de l'année est calculé sur le salaire qu'on appelle le basic salary, qui est à peu près la moitié de ton gross salary, donc salaire net. C'est à peu près la moitié de ton salaire brut, parce que le salaire brut est composé aussi de ces cash allowances. Et c'est un peu de sous pour une voiture ou une maison ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Bon, d'autres questions ou pas? Écoute, moi j'en vois plus. En plus, le soleil est en train de se coucher. Donc, attends, j'ai la petite lampiole là. Oui, mais tu m'as dit, aïe. Non, c'est trop. non, mais quand je parle du soleil, en fait, c'est plutôt de dire que on va arriver à la fin du jeûne. C'est juste un petit. Ouais. c'est n'importe quoi. Voilà. Non, ça marche pas trop le coup. Ouais, ça fait encore pire. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais écoute. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Voilà, écoute, voilà, il y a Mathieu qui dit c'est l'heure de manger aussi. Oui, bah en fait tout le monde a l'air d'être pressé d'aller manger, tout compte fait. Donc, Est-ce que c'était intéressant quand même? Vous avez appris des choses ou pas? Allez, on attend quelques réponses. On rendra l'antenne que quand on aura eu des réponses. Parce qu'on est des fous nous, hein. Dinner time. Voilà. Super. Ok. Ouais. Bon. Ah, super. C'est cool. Voilà, ok. C'est cool. C'est génial. Annie qui insiste avec Dinner Time. Ok, Annie, on y va. On y va. Annie. Voilà. Écoutez, bravo à vous d'avoir regardé le live parce que les autres vont pas forcément avoir le temps de regarder l'émission enregistrée. Ouais.
Ceux qui ont regardé, ceux qui regardent en ce moment l'émission enregistrée, parce que ça se trouve, oui, vous, aussi. C'est pour la première fois, bah, bravo à vous, parce que l'émission reste, les émissions vont pas rester longtemps maintenant, et on va rester de moins en moins longtemps, donc c'est génial. Au moins, vous savez des choses. Et je serais, en fait, je pense qu'on serait très, tous les deux, super, Bénédine, merci, et Laurence aussi, merci beaucoup. On serait tous les deux intéressés par un feedback. S'il y en a qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont sauté le pas. D'accord. On serait intéressé pour demander des augmentations, c'est ça? Bien sûr, hein, ouais. Ça serait n'importe quoi de pas demander. Oui. D'accord. Voilà. Alors Hamza, puisqu'on en parle, j'ai fait une étude sur Google sur co-host live show on Facebook salary, mais on va peut-être en parler en privé. Oui, mais moi je suis pas ton employé. On est ensemble. On va bientôt faire une association. Tu sais, si vous voulez envoyer de l'argent pour soutenir la cause Thierry et Hamza, voilà. N'hésitez surtout pas. Donc voilà. Yala, on se dit à très bientôt. Voilà, on se dit à bientôt. On vous dit au revoir. À bientôt. Bon appétit à tout le monde. Et à bientôt. Salut.